Bonjour les cinquièmes, votre travail du jour est de prendre la correction du test que vous avez pu passer. Je rappelle qu'il y avait un certain nombre de consignes qui étaient écrites, ici, qui vous expliquaient exactement ce que vous deviez faire pour répondre. La correction étant programmée en avance, forcément, je vais vous montrer comment c'est fait, dans le cas présent, vous voyez que si vous ne faites pas exactement ce qui a été indiqué, votre réponse est fausse. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des copier-coller et je séparais, quand il y avait deux réponses, je séparais par une virgule suivie d'un espace. C'est expliqué noir sur blanc, en long, en large, en travers, c'est expliqué dans la vidéo. Alors, quand on voit des réponses comme celle-là, 14 élèves ont fait ce qu'il fallait, donc ça veut dire qu'il y a 14 élèves qui ont compris, et puis, il y en a plein d'autres qui n'ont pas suivi ni la vidéo et qui n'ont pas lu non plus les consignes ou qui les ont oubliées. Et là, ils perdent des points. Donc, c'est bien dommage, mais je ne vais pas m'amuser à tout reprogrammer. Et donc, forcément, ça va être un peu raté pour certains d'entre vous. Entre ceux qui ne mettent pas la virgule pour séparer les deux compléments, ceux qui ne mettent pas l'accent, c'est-à-dire qu'ils ont oublié de faire un copier-coller, et ils disent « c'est pas ma faute, j'ai un clavier anglais », ben si, c'est ta faute. Achète-toi un clavier français, ou alors fais comme je te l'ai déjà dit 50 000 fois, c'est-à-dire que tu utilises des combinaisons de touches, ou alors fais ce qu'on t'a dit dans la vidéo et ça marche. Donc c'est énervant tout ça. Là, pas d'espace, là, quelqu'un a mis des tirets au lieu de faire ce qu'on lui demandait de faire. Là, quelqu'un a carrément enlevé la préposition « à », et là, quelqu'un s'est trompé. Donc ça fait quand même beaucoup d'élèves qui se trompent simplement parce qu'ils n'ont pas suivi des consignes qui sont simples. Alors tant pis pour vous, ça fait un peu tâche dans votre relevé de notes là, mais on en fera une deuxième. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien réussi. Alors maintenant la correction, vous allez tout simplement, avant de passer à la suite, vous allez prendre la feuille que vous avez imprimée, des surligneurs, vous avez besoin de 4 couleurs, et de quoi écrire, vous allez pouvoir prendre la correction que je vais vous faire, en faisant par étapes. Vous allez devoir utiliser la pause dans cette vidéo pour pouvoir suivre sur votre feuille et suivre par rapport à ce que je vous dis pour pouvoir recopier les différents éléments. Et à la fin, normalement, vous avez la même feuille que moi que vous me prenez en photo et vous m'envoyez ça pour me prouver que vous avez bien fait votre travail. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. C'est déjà bien assez long comme ça, si vous faites tout comme il faut. Donc voici la correction. Je vais basculer maintenant ici. Donc j'utilise un code qui est toujours le même. Je vais vous expliquer rapidement et après vous pourrez prendre la correction. Et c'est par série. Je me suis amusé, bien entendu, à faire des phrases qui se ressemblent énormément, de telle sorte que normalement, si vous avez compris un élément, vous comprenez l'autre. Le sujet est en vert, le verbe étant le verbe conjugué, y compris quand il y a un auxiliaire avec, c'est en rouge clair, enfin rouge. Bleu clair pour le premier complément, qui est généralement un COD ou un COI, et bleu, un peu bleu, tout court, pour le complément d'objet second. Et enfin, les compléments de phrase ou les compléments circonstanciels, c'est la même chose, sont en rose violet. Voilà. Donc à chaque fois, la couleur que vous voyez vous permet de comprendre. Alors, vous pouvez utiliser la pause. Je donne quelques explications, malgré tout. Je ne peux pas m'empêcher. Vous voyez que j'ai donné à chaque fois, c'est la même chose, c'est le même verbe. Le COD, toute ma fortune, toute ma fortune, toute ma fortune, il ne change pas. Et le complément d'objet second, il ne change pas non plus. Il fallait simplement repérer que ce groupe de mots a un beau matin, eh ben, il est complément de phrase. Donc c'est en fonction de la question. On vous demandait complément de la phrase ou complément du verbe. Donc faites bien attention, quand c'est le verbe, on relève le complément du verbe, ce qui dépend du verbe. Et quand on relève le complément de phrase, on relève ce qui est ici en violet. Voilà pour les trois premières phrases, j'affiche la suite. Alors pour la phrase 4, on est toujours dans la même structure, vous voyez que c'est à donner, à donner, à donner. Hop, excusez-moi, je reprends. À donner, sauf simplement j'ai changé de personne. Et je me suis aussi amusé à rajouter quelques petits éléments dans les compléments circonstanciels, ou les compléments de phrase. Mais le reste de la phrase, c'est exactement la même structure, donc si vous aviez trouvé la première fois, c'était impossible de se tromper pour la suite. Donc là, vous avez le temps de copier ces réponses, ici. On va voir ensuite la série 7 et 8. Donc, pensez à utiliser la pause pour avoir le temps de recopier tout ça. Série 7 et 8, alors il y a toute une série là. Voilà, je vais toutes les afficher en même temps.
Malheureusement, je ne peux pas déplacer la vidéo, mais je vais quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a un complément de phrase qui est ici au début, un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Le sujet qui ne change jamais, d'autres Amérindiens. Accostait, le verbe ne change jamais. C'est un verbe qui est transitif direct. Et puis l'échaloupe, eh ben, à chaque fois, finalement, vous avez deux fois une phrase où le complément d'objet est court, l'échaloupe tout court. Et plus loin, le complément est simplement expansé, il est plus long, mais on pourrait le remplacer par cela. D'autres Américains accostaient cela. Donc ce n'est pas parce que c'est très long que ça n'est pas un seul groupe nominal. C'est les chaloupes au départ, les chaloupes des navires, okay, et les navires eux-mêmes dans lesquels nous étions, tout ça, ça reste comme un chewing-gum, si vous voulez. On a un premier chewing-gum. Et puis on agglomère un deuxième chewing-gum qui lui-même s'agglomère un troisième chewing-gum. Ça fait un grand groupe nominal. On a beaucoup travaillé là-dessus l'an dernier. Donc là, vous avez des réponses aux questions qui sont relativement simples et que je vous demande de bien repérer. Attention, notez bien les 7, 8. Et maintenant, j'affiche les 8, 9 et 10 que vous allez pouvoir corriger. Voilà. Prenez la pause maintenant pour avoir le temps de noter cette correction. 9 et 10. Quand c'est fait, quand vous avez noté cette correction, on passe aux phrases suivantes. Donc, c'est l'histoire des cours, là. Alors là aussi, j'avais fait toute une série. J'espère que ça est bien visible comme ça. Le sujet est toujours le même. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. La seule différence, c'est que cette fois-ci, j'avais ajouté, dans un cas, un complément d'objet indirect seulement. Et là, j'avais ajouté un complément d'objet second à ce premier complément. 1, 2. Donc en fait, on avait le complément d'objet second qui est à mes parents. Et après, quand on vous demande de relever le complément de phrase, c'est toujours le même. Donc voilà, toutes ces phrases se ressemblent énormément pour ça. Donc, prenez bien le temps de prendre cette correction. J'affiche un peu cela pour que vous puissiez le voir. Et on arrive aux deux dernières phrases qui sont assez faciles. À part qu'il y a une petite complication avec ce complément d'objet. D'ailleurs, je me suis trompé de couleur, je vais rectifier ça tout de suite. Je devrais transformer ce complément d'objet en mettant la couleur du COD, c'est-à-dire, je crois que j'ai utilisé celle-là. Voilà, c'est rectifié. Vous pouvez le faire également. Donc ici, vous avez un complément de phrase tous les matins, vous avez un COD qui est que je l'appelle, et vous avez. Depuis plusieurs jours, vous voyez que c'est un petit peu tout ça, ça se ressemble exprès pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors là, le COD est particulier ici, hein, il s'agit de ce qu'on appelle une complétive, c'est-à-dire que ça contient un verbe, et c'est bien la réponse à la question quoi? Voudrait cela? Voudrait quoi que je l'appelle? Donc il s'agit bien d'un COD. Voilà. Donc vous m'envoyez votre copie de ce travail, et on refera un test. En fin de semaine, cette fois-ci en temps limité, et cette fois-ci vous respecterez les consignes. Ce sera quelque chose de similaire à ce qu'on vient de corriger ici. Et cette fois-ci, le temps sera sévèrement compté pour que tout le monde soit bien, bien là. Bon courage et à demain. Demain, on se retrouve dans un Zoom.